Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez tous? Ah, très bien, d'accord. Donc, aujourd'hui, on va voir donc, toujours avec le groupe Sangha Érythrocytaire. Donc, j'espère que vous voyez bien les diapos. D'accord. Donc, les autres systèmes de groupe Sangha. Donc, brièvement, pour ne pas tarder, puisqu'on est limité par le temps. Donc, on va faire rapidement. On va passer sur la structure du groupe Sangha, le plus immunogène, donc lequel Difikid et MNS. Donc, l'origine de la découverte, l'importance clinique et donc l'implication en transfusion en obstétrique. Donc, un petit rappel sur les antigènes érythrocytaires. Donc, les groupes sanguins érythrocytaires, donc le phénotype érythrocytaire, donc représente l'ensemble des antigènes qui se trouvent à la surface, donc dans la membrane érythrocytaire, donc qui peuvent être la cible, des anticorps. Donc, généralement, la découverte d'un système érythrocytaire se fait après donc la découverte donc d'un allo anticorps. Donc, les allo anticorps, on peut distinguer deux types. Donc, on a les anticorps humains qui se développent suite à une immunisation, et on a les anticorps naturels qui se développent qui font partie de la la définition du groupe Sangha. Donc c'est l'exemple du système ABU. Donc à l'heure actuelle, donc on peut distinguer donc 29 systèmes érythrocytaires, donc définis par 272 antigènes, et on a en 5 collections. Donc, parmi les systèmes donc, les plus immunogènes, donc, le premier système que vous avez vu, c'est le système donc, ABU. Donc, c'est le principal système donc, étudié en transfusion et en obstétrique. On a aussi, donc, en deuxième lieu, c'est le système Régis. Donc, c'est un système aussi important, très impliqué donc, en transfusion et en gynécologie. Donc, aujourd'hui, on va voir avec donc, les autres systèmes qui possède de l'intérêt en transfusion, en obstétrique, donc principalement le système KEL, DIFI et KID. Donc le système KEL, la découverte du système KEL se fait suite à l'apparition chez une femme qui a développé une maladie hémolytique de nouveau-né, c'est Madame KEL. Donc, il a développé un anticorps de spécificité inconnue. Donc, suite à la détermination de la spécificité, c'est-à-dire par l'étude de recherche des agglutinines irrégulières sur cette femme, on a constaté que c'est un nouveau allo-anticorps dirigé contre un antigène érythrocytaire, c'est l'antigène grand K, donc ce qui permet la découverte du système KEL.
Donc, la découverte du système dans lequel se fait donc par M. Combes, donc ses collègues en 1946. Donc, c'est une femme, comme on a dit, c'est une femme qui a développé une maladie hémolytique de nouveau-né, donc c'est Madame Kell, donc suite à une allocumulisation entérocytaire qui a développé donc un mal anticorps anti-Kell à la suite d'une grossesse incompatible. Donc, l'étude de la spécificité de cet anticorps donc, a montré donc, la présence d'un nouveau antigène groupe sanguin érythrocytaire, donc c'est l'antigène grand K. Donc, au fur et à mesure donc, des autres érythrocytaires, il y a la découverte donc, d'autres antigènes du système Kell. Donc, sur le plan génétique, donc le système Kell, donc le gène qui code pour les antigènes du système Kell, donc situé sur le chromosome 7. Donc, à l'heure actuelle, on peut définir donc jusqu'à 32 antigènes du système Kell. Donc, deux autres systèmes sont en relation structurelle et fonctionnelle avec le système Kell, donc selon le système KX et le système Gombrich. Donc, cinq groupes d'antigènes antithétiques, donc sont les principaux antigènes du système. Donc, du système Kell, on a le couple grand KPK ou le couple Celano. On a le couple KPA et KPB, donc GSA, GSP, donc K11, K17, K14 et K24. Donc, ce sont des couples antigéniques du système Kell, ce sont des antigènes antithétiques, c'est-à-dire la présence, donc l'absence d'un antigène du couple signifie la présence de l'autre en double dose, c'est-à-dire en homozygote. Donc, ces antigènes peuvent se présenter à la surface érythrocytaire, non conforme hétérozygote. Donc, les antigènes du système Kell sont exclusivement érythrocytaires. Généralement, donc, les antigènes de matière protéique ont une répartition exclusivement érythrocytaire. Donc, voilà un tableau donc, qui résume donc, l'ensemble des antigènes du système Kell. Donc, le chef le principal antigène et le plus immunogène, c'est le grand K. Puis, donc, le petit K, l'antigène, c'est l'anneau. Et après, donc, les autres antigènes du système Kell. Donc, sur le plan du chimique, donc, les antigènes du système Kell sont de nature protéique. Donc, ce sont des glycoprotéines de 731 acides aminés. Donc, le polymorphisme grand K, petit K, c'est-à-dire pour la différence structurelle entre le grand K, lequel et le silano, donc c'est une mutation ponctuelle donc, qui entraîne changement d'acide aminé à la position donc 193. Donc, c'est le plan phénotypique. Donc, 91% de la population sont des Kell négatives. Donc, là, on parle de la population caucasienne. Donc, notre pays, donc l'Algérie, donc, pour cette même caractéristique de la population caucasienne concernant donc, le groupe sanguin érythrocytaire, donc c'est le cas du système Kell. Donc 91% des individus sont Kell négatifs, c'est-à-dire grand K négatif, et 9% uniquement sont donc Kell positifs. Donc l'antigène Celano, le petit K, donc c'est un antigène de haute fréquence, c'est un antigène public. Présent, donc, c'est presque 99,8% de la population, c'est-à-dire uniquement 0,2% de la population sont Celano négatifs, ce qui pose donc un problème transfusionnel et obstétrical chez les sujets Kell négatifs, c'est-à-dire les sujets Celano négatifs, donc en cas de besoin transfusionnel, en cas donc, d'une incompatibilité fœto-maternelle, sont beaucoup plus susceptibles. Donc, de développer une allo-immunisation. Donc, l'objectif d'étudier le système Kell, donc, c'est beaucoup plus pour voir donc, l'importance de l'allo-immunisation transfusionnelle et obstétricale dans ce système. Donc, voilà l'étude immunologique.
Donc voilà la structure biochimique de glycoprotéine KEL qui est en relation structurale avec le système KX. Donc le système KX, c'est le support de l'ensemble des déterminants antigéniques du système KEL. Donc il y a des situations où il y a donc des anomalies du gène qui code pour le système KX, donc tel que l'absence du gène qui code pour le KX. Donc par conséquent, donc absence de phénotype KEL, c'est-à-dire la disparition des déterminants antigéniques du système KEL, malgré l'absence du gène KEL, mais l'absence de KX par anomalie génétique peut donner un phénotype macléode qui est caractérisé par l'absence du gène KX, ce qui entraîne la non-expression des antigènes du système KEL. Donc fréquence phénotypique et allèle, Donc comme on a dit que 91% des sujets sont tels négatifs, c'est-à-dire grand K négatif, petit K positif, c'est-à-dire homozygote pour le Silano. Donc uniquement 8,8% des individus sont K positif. Hétérozygote pour le système grand K, donc 0,2% sont homozygotes pour lequel antigène KEL. Donc, antigène KEL, c'est un antigène dominant par rapport à l'antigène Silano dans le couple grand K et K. Donc, le phénotype silencieux, lequel nul, donc le K0, donc on a deux possibilités d'avoir le phénotype K0, donc soit par une dilution complète du gène, du gène qui code pour le système KEL, caractérisé par l'absence de synthèse de la glycoprotéine, donc absence d'antigène public le KEL5, qui est susceptible de développer des allo-anticorps dirigés contre cet antigène public. Donc, d'autres mécanismes moléculaires, c'est le phénotype macléode. Donc, le phénotype macléode, caractérisé par une présence normale de l'antigène, du gène qui code pour le système KEL, mais absence de molécules de soutien, le KX, ce qui entraîne l'absence des déterminants antigéniques du système KEL. Généralement, les hémacées macléodes caractérisées par une fragilité membranaire, c'est susceptible d'être hémolysé. Donc, en cas de fragilité membranaire, ce qui favorise l'hémolyse des hémacées. Donc, les anticorps du système KEL, le système KEL caractérisé par la présence des anticorps humains, c'est-à-dire l'absence à l'état naturel des anticorps, qui se développe à la suite d'une allo-immunisation. Généralement, les anticorps sont de nature IgG, possèdent généralement IgG, principalement IgG 3 et 3, avec passage transplacentaire. Passage transplacentaire, c'est-à-dire le risque d'une allo-immunisation fœto-maternelle. Donc, les anticorps les plus connus, c'est l'anti-grand K, c'est l'anti-KEL. Donc, en deuxième position, c'est l'anticorps anti Silano. Donc, on a dit que l'antigène Silano, c'est un antigène public qui se trouve sur presque 99,8% de la population. Donc, les sujets Silano négatifs sont susceptibles fréquemment à développer une allo-immunisation anti-Silano. Donc, le système DFI, c'est un système qui possède une importance en transfusion et en obstétrique. L'antigène. La découverte du système DFI, c'est de 1950, chez un polytransfusé hémophile polytransfusé qui a développé un anticorps anti-DFI. Donc, généralement, la découverte d'un nouveau système se fait à la suite de la découverte d'un anticorps de spécificité inconnue. Donc, la détermination de la spécificité de cet anticorps permet de détecter un nouveau système. Donc, l'antigène le plus important de ce système, c'est le DFA.
Donc, le gène diffus. Donc, le gène diffus est situé sur le chromosome 1. Donc, deux allèles codants, on a le diffus A et le diffus B en codominante. Donc, cas particulier du phénotype diffus A nul ou diffus A négatif, diffus B négatif. Donc, qui signifie donc la présence, l'absence, donc la présence du. Donc, on a deux mécanismes. Donc, mécanisme défini chez les Africains. Donc, ils sont généralement sont porteurs du phénotype diffus A-, diffus B-. Donc, exceptionnellement en Europe, donc, il y a, donc, on peut distinguer donc, deux types de gènes, diffus A ou diffus B. On a donc du gène tissulaire et du gène érythrocytaire. Donc, généralement, pour le phénotype diffus A-, B- chez les Africains, donc, c'est une mutation, c'est le promoteur du gène diffus, donc, permettant, donc, c'est une mutation sur le promoteur du gène diffus, ce qui entraîne l'absence de l'expression donc, de ces deux antigènes à la surface donc des hématies, mais la présence des antigènes donc, au niveau tissulaire. Ce qui entraîne donc, le sujet donc, diffus à moi, diffus de moi, donc d'origine africaine, ne s'immunise pas donc, contre ces antigènes. D'accord? Donc, chez les Africains, donc on distingue deux types d'antigènes diffus. Donc, on a plutôt deux types de gènes diffus. On a des gènes qui codent donc, pour le diffus érythrocytaire et on a donc, des gènes qui codent pour le diffus érythrocytaire, plutôt tissulaire. Donc, l'anomalie, le phénotype diffus A-, B-, donc, résulte d'une anomalie du gène de diffus, donc diffus qui code pour les antigènes érythrocytaires, ce qui entraîne donc, la non-expression donc des antigènes au niveau érythrocytaire, mais il y a une expression normale au niveau cellulaire qui donc, protège donc, les sujets diffus A, moins A, diffus moins A, diffus moins d'origine africaine d'une immunisation en cas de transition incompatible. Donc, les anticorps du système diffus donc, sont des anticorps humains. Donc, de type IgG, donc, dans ces comptes pour cent, IgG1, donc, qui fixe les compléments, donc, avec passage transplacentaire, donc, avec la possibilité des maladies hémolytiques de nouveau-nés, donc, hémolyse post-transfusionnelle en cas d'une transfusion incompatible. Donc, on peut définir donc, quelques fonctions biologiques du système diffus. Donc, c'est un récepteur, le diffus-6, qui est un récepteur pour le plasmodium vivax. Donc, l'absence de diffus-6, donc, si le sujet diffus A moins A, moins 2 d'origine africaine, donc, entraîne donc, la résistance de ce sujet donc, concernant l'infection au paludisme du plasmodium vivax. Donc, troisième système, donc, c'est le système KID. Donc, aussi, donc, la découverte donc, du système KID due à, donc, à une allo-immunisation donc, suite à une incompatibilité phytomaternelle, donc, ce qui entraîne donc, l'apparition d'un allo-anticorps de spécificité inconnue. Donc, l'étude de la spécificité de cet anticorps montre donc un nouveau antigène, c'est l'antigène GKA, donc, qui est l'antigène le plus immunogène du système KID. Par la suite, donc, il y a la découverte les autres antigènes du système KID. Donc, le système KID donc, constitue principalement donc, le couple le plus immunogène du système KID, c'est le GKA, GKB. Donc, ce sont deux antigènes antithétiques, c'est-à-dire la présence, l'absence de l'un signifie la présence de l'autre. Donc, on double dose, c'est-à-dire en forme homozygote. Donc, on peut distinguer donc, trois principaux antigènes du système KID. On a le GKA,
La fréquence 75% chez les Européens, donc le GKB 35%, le GKPRO, c'est un antigène public, donc absent, d'une façon exceptionnelle chez le sujet GK, -1, -2. Donc, c'est le plan biochimique. Donc, les antigènes du système PID sont portés par une glycoprotéine, donc 389 acides aminés. Donc, le polymorphisme GKB est porté par l'acide aminé en position 280. Donc, le phénotype silencieux, il y a la présence d'un allèle silencieux, c'est le GK0 en double dose. Donc, les anticorps du système PID sont des anticorps donc les anti-GKA. Donc, la particularité donc, des anti-GKA, c'est un anticorps perfide et dangereux. Perfide, c'est-à-dire elle est difficile à détecter lors de la recherche des agglutinines irrégulières, donc, ce qui nécessite l'utilisation d'un panel des hématotests qui portent donc l'antigène GKA en double dose, c'est-à-dire en homozygote, ce qui permet donc de détecter et de doser donc le GKA en cas d'une allo-immunisation. Donc dangereux, elle est capable de donner donc ou de c'est-à-dire parmi les conséquences cliniques d'une allo-immunisation anti-GKA, l'hémolyse donc c'est la maladie hémolytique de nouveau-né et l'hémolyse post-transfusionnelle en cas d'une transfusion incompatible. Donc on peut détecter aussi la présence des auto-anticorps anti-GKA, détectés dans la maladie hémolytique auto-immune. Donc, on termine avec le système MNS, donc le système MNS, le premier antigène découvert par Landsteiner et Lujan. Donc, en 1927, donc on a le grand N et le grand A. Donc, par la suite, il y a la découverte du grand S en 1947, le petit S en 1951, jusqu'à arriver donc, à 47 antigènes en 2008. Donc, les antigènes, le système MNS est constitué donc, de deux paires d'antigènes antithétiques. On a donc le couple M et N et on a le couple donc, MN porté par le glycoprotéine A, donc distillé par différents anticorps de lavement, mais le couple grand S et petit S, porté par le glycoprotéine glycophorine B, et distillé par les anticorps d'origine humaine. Donc, ce qui est important pour l'étude des antigènes du système érythrocytaire, c'est de connaître ses implications. Donc, on a l'immunisation, donc phytomaternelle et transfusionnelle, c'est-à-dire l'implication clinique des anticorps d'importance clinique. Donc, on va passer rapidement à l'implication clinique du système du groupe sanguin érythrocytaire, donc en transfusion. Normalement, avant chaque transfusion, il faut vérifier la compatibilité entre le donneur et le receveur. C'est l'intérêt des examens pré-transfusionnels. Donc, l'intérêt des examens pré-transfusionnels, c'est de vérifier la compatibilité entre donneur et receveur pour éviter toute allo-immunisation anti-érythrocytaire. Donc, pour le suivi de grossesse, en cas d'une incompatibilité entre la mère et le fœtus, il y a le risque d'une maladie hémolytique du nouveau-né. Donc, la gravité dépend de l'antigène incompatible. Donc l'étude de la compatibilité entre les antigènes érythrocytaires maternels et fœtaux, l'intérêt donc c'est la prévention de la maladie hémolytique du nouveau-né. Donc les examens pré-transfusionnels, on a des examens obligatoires imposés de chaque transfusion sanguine. Et on a des examens un peu spécialisés, réservés dans certaines situations. Donc, le groupage abiorhésus, donc la détermination des antigènes du système abio,
Donc, pour les abréviations, donc concernant les abréviations, donc le IH, c'est donc, IH, c'est caractéristique immunohématologique. Donc, l'ARAE, c'est la recherche des agglutinines irrégulières. Donc, le CSH, c'est les cellules souches hématopoïétiques. Donc, CGR, c'est le concentré globule érythrocytaire. Le PFC, c'est le plasma fécond G. Donc, AIH, c'est l'anémie hémolytique auto-immune. D'accord? Donc, maintenant, pour les examens. Donc, les examens. Voilà, c'est bon. Donc, les examens pré-transfusionnels. Donc, on a des examens donc, obligatoires sur chaque transfusion sanguine. Donc, principalement, on a le groupage ABO, résus, donc, où la détermination est obligatoire sur chaque don du sang. Donc, il y a d'autres examens spécialisés, donc recommandés donc, pour certaines catégories donc, des polytransfusés, c'est la détermination de phénotype résiduel. Donc, ce qui est obligatoire, c'est de vérifier la compatibilité entre donc, le CGR, c'est-à-dire le donneur, et donc, le receveur polytransfusé. Donc, il faut vérifier donc, la compatibilité avec les cinq antigènes du système résiduel. C'est ce qu'on appelle le phénotype érythrocytaire restreint, donc, qui consiste à la détermination donc de cinq antigènes du groupe sanguin, c'est le grand C, bon, du système rhésus. À côté de l'antigène grand D, on a le grand C, grand E, TC, petit E. Une complice, donc l'antigène grand K du système KEL. Donc c'est le phénotype, donc rhésus KEL, rhésus restreint, c'est-à-dire les cinq antigènes du système rhésus sont plus donc le grand K. Du système c'est du système KEL qui est imposé donc pour transfusion chez certains polytransfusés tels que les hémoglobinopathies des femmes enceintes. On a aussi donc le phénotype étendu donc à côté donc en plus des cinq antigènes du système rhésus donc on peut ajouter donc les antigènes DFA, DFP du système DFI, GKA, GKB du système donc KID, le grand C, le grand S du système MNS. Cette détermination est obligatoire donc pour étudier la compatibilité entre donneur et receveur en cas d'une transfusion chez un poulet transfusé tel que les hémoglobinopathies principalement. Donc l'ARAE, c'est la recherche des agglutinines irrégulières qui est obligatoire sur chaque don du chaque après chaque transfusion sanguine. Donc la validité de l'ARAE, donc elle fait partie du dossier transfusionnel. Et la validité de l'ARAE, c'est moins de 72 heures, c'est-à-dire à chaque transfusion, il faut vérifier que chez le receveur, on a effectué une recherche des agglutinines irrégulières, donc datée de moins de 72 heures. Donc, le DC, c'est l'épreuve de compatibilité directe au laboratoire, et qui consiste donc à compatibiliser donc, les globules rouges du donneur avec donc, le sérum du receveur.
Donc, en cas d'une ARAI positive, c'est-à-dire en cas de présence d'un halo anticorps anti-érythrocytaire. والله حزه وخونا والله بون حبسه ولا لا مازال مازال سمعوك وشافوك وكل والله عبد انهم قاعدين هم انا طب يا Donc rapidement, donc un petit rappel sur le groupage abiorésus. Donc c'est la détermination par EMA agglutination sur plaque directe, donc par l'utilisation des anticorps monoclonaux donc de type IgM. Donc pour un groupage abio validé, donc il faut une double détermination. Donc c'est deux prélèvements différents par deux personnes différentes. D'accord. Donc pour la recherche des agglutinines irrégulières. Donc, la recherche des agglutinines irrégulières donc, concerne principalement les anticorps humains, c'est-à-dire des anticorps de type IgG, donc de nature irrégulière. Donc, elle est de validité 62 heures, donc 62 heures donc, avant chaque transfusion. Donc, obligatoire donc, pour le suivi des femmes enceintes en cas de grossesse incompatible. Donc, la réalisation de l'ARAE donc, consiste à l'utilisation d'un panel des hémacytes, c'est-à-dire ensemble des hémacytes, dont le phénotype donc érythrocytaire est connu. Donc on a un panel de dépistage et un panel d'identification. Donc pour le panel de dépistage, il est composé de trois hémacies, donc ils portent l'ensemble, c'est-à-dire la plupart des antigènes du groupe sanguin érythrocytaire le plus immunogène. Donc on utilise un panel des hémacies test constitué donc de trois hémacies pour le dépistage et qui porte l'ensemble des antigènes érythrocytaires. Donc maintenant, après le dépistage, donc c'est un dépistage positif, donc on passe à l'identification, c'est un dépistage négatif, c'est-à-dire l'absence des allo-anticorps. Donc en cas de dépistage positif, on passe à l'identification, on utilise un panel des hémacies test d'identification qui est composé donc de 11 hémacies, qui permet donc de déterminer la spécificité de l'allo-anticorps développé à la suite d'une allo-immunisation. Donc, l'épreuve directe de compatibilité, donc l'intérêt de l'EDC ou l'épreuve directe de compatibilité au laboratoire, c'est de vérifier la compatibilisation entre, donc c'est le plan érythrocytaire, entre les antigènes portés par les globules rouges du donneur et les antigènes portés par les globules rouges du receveur. Donc, l'objectif de cet examen, c'est d'optimiser la sécurité transfusionnelle. C'est-à-dire d'éviter une réaction d'hémolyse post-transfusionnelle. Donc, c'est un examen complémentaire de l'ARAE, c'est-à-dire en cas d'ARAE positif, il faut réaliser une épreuve directe de compatibilité au laboratoire. Donc, c'est le plan technique, donc l'EDC est réalisé par test indirect en antiglobuline, c'est-à-dire on prend donc, les hémacées de donneur, c'est-à-dire de CGR concentré de globules rouges, et le sérum. Donc, du donneur,
Et on réalise donc un test direct à l'antiglobuline, c'est-à-dire il y a des étapes d'incubation, étapes de lavage, étapes de révélation par l'utilisation d'une antiglobuline polyvalente. Est-ce que vous avez compris la technique de l'EDC? Est-ce que vous avez compris la technique de l'EDC? Non? Donc la technique de l'EDC, ou l'EDC, c'est l'épreuve de compatibilité au laboratoire. Donc l'épreuve de compatibilité au laboratoire qui consiste à tester donc les globules rouges de l'IMACé et les globules rouges du donneur par rapport au sérum du receveur. Donc en transfusion, on a un donneur et un receveur. Donc pour éviter donc l'hémolyse post-transfusionnelle, c'est-à-dire en cas d'une allo-immunisation, l'épreuve directe de compatibilité est réalisée après en cas d'une ARAE positive. ARAE positive, c'est-à-dire la présence d'un allo-anticorps. Donc, on teste les globules rouges du donneur avec les anticorps du receveur. Donc, en utilisant donc, l'épreuve directe. Donc, on utilise donc, l'épreuve directe de compatibilité au laboratoire. On utilise la technique de COMS indirect ou test indirect à l'antiglobuline, d'accord? Donc, qui consiste à une étape donc, d'incubation de 37 à 37 degrés pendant donc, 45 minutes. Donc, une étape de lavage et après une étape de révélation par l'utilisation d'antiglobuline polyvalente. Donc, en cas d'une réaction positive, c'est-à-dire c'est un test épreuve incompatible, c'est-à-dire on ne donne pas les globules rouges du donneur à ce receveur. S'il n'y a pas d'agglutination, c'est un test négatif, c'est-à-dire qu'on peut transfuser les hémacées chez le receveur. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est le principe de test indirect à l'antiglobuline. La seule différence, c'est qu'on utilise les hémacées du receveur. D'accord? Donc, normalement, c'est grosso modo concernant les antigènes érythrocytaires. Donc, est-ce que vous avez des questions donc, concernant donc, ces antigènes? Donc, il faut connaître que donc l'objectif donc, de l'étude donc, des antigènes érythrocytaires, c'est beaucoup plus pour un intérêt transfusionnel. Donc, pour les abréviations, donc, on commence par le début, donc les abréviations. Donc, on a d'abord, c'est la désignation donc, des antigènes érythrocytaires. On a les antigènes du système, on a le grand K, c'est lequel, le petit K, c'est le Cylano. Donc, les autres antigènes du système, quel. Donc, les CGR, c'est le concentré du globule rouge érythrocytaire. Donc, le MHNN, c'est la maladie hémolytique de nouveau-né. Donc, mutation, c'est le promoteur du gène DFI, donc permettant sa synthèse dans l'érythroblast. EV, c'est l'érythroblast. Donc, la synthèse donc, des antigènes se fait au niveau de l'érythroblast. Les érythroblastes sont des cellules immatures, sont des précurseurs du globule rouge, donc dans les érythroblastes. Donc, absence de l'expression, c'est le globule rouge. Donc, les immunoglobulines, donc MHNN, c'est la maladie hémolytique de nouveau-né. Donc, le GKA et le GKB sont les antigènes. Du système KID.
Donc, l'été, c'est l'incident transfusionnel hémolytique grave. Donc, été, incident transfusionnel hémolytique grave, c'est un incident transfusionnel. C'est-à-dire, en cas d'incompatibilité avec le système PEL, il y a la possibilité d'un incident transfusionnel grave. Été, c'est l'incident transfusionnel grave. Donc, le B, c'est l'érythroblaste. L'été, c'est l'incident transfusionnel. Été, incident transfusionnel hémolytique grave. La sèche, c'est cellule souche hémato-poétique. Cellule souche hémato-poétique. D'accord? On se base sur ce qui est important dans le cours, c'est les antigènes les plus immunogènes de chaque système. Donc, l'implication en cas d'une allo-immunisation. D'accord? C'est-à-dire comment on peut comment on peut assurer, c'est-à-dire augmenter la sécurité transfusionnelle en cas d'une allo-immunisation. C'est-à-dire comment on peut détecter une allo-immunisation, déterminer la spécificité de l'allo-anticorps, ses implications dans l'hémolyse post-transfusionnelle ou dans le développement d'une allo-immunisation fœto-maternelle. C'est-à-dire l'implication des antigènes de ces systèmes dans l'allo-immunisation transfusionnelle ou fœto-maternelle. C'est-à-dire l'intérêt de l'étude du groupe sanguin érythrocytaire, c'est un intérêt clinique beaucoup plus en transfusion. Donc, ce qui est important dans ce cours, c'est l'implication clinique, les différentes techniques utilisées pour assurer une compatibilisation entre donneur et receveur, c'est-à-dire les techniques de compatibilisation. Donc, pour l'enregistrement, je vais voir avec l'administration. Donc, s'il y a possibilité de poster l'enregistrement sur le site de l'université, donc il n'y a pas de problème, on va voir.
Donc, la présence, l'un signifie, donc, c'est l'exemple des antigènes antithétiques. Donc, antigènes antithétiques, par exemple, le couple grand CPC ou le système rhésus. Donc, le couple grand CPC pour le système rhésus sont des antigènes antithétiques. Par exemple, si on fait le phénotypage par l'utilisation des anticorps monoclonaux, donc s'il y a réaction négative avec le grand C, on dit que ce sujet, c'est un homozygote pour le PC. D'accord? C'est-à-dire, pour le grand C, le PC, soit à l'état homozygote, soit à l'état hétérozygote. C'est-à-dire, on peut... Donc, on peut c'est-à-dire déterminer la présence d'un antigène en forme homozygote s'il y a l'absence de l'autre antigène. Par exemple, si on fait la recherche de grand C, on trouve l'absence de grand C, le sujet c'est un deux fois PC, c'est-à-dire homozygote pour le PC. Et l'inverse, donc l'absence de le PC signifie la présence de grand C en homozygote. C'est-à-dire, c'est l'exemple, ce sont les antigènes antithétiques. C'est-à-dire, l'absence d'un antigène à la surface érythrocytaire signifie la présence de l'autre en homozygote, c'est la double dose. D'accord? C'est-à-dire en forme homozygote. Donc, pour l'EDC, c'est l'épreuve directe de compatibilité. Donc, on a dit que l'intérêt de l'EDC, c'est d'augmenter la sécurité transfusionnelle. Donc, pourquoi on fait l'EDC ou l'EDC? Donc, si en cas d'une ARAE positive, c'est-à-dire le cherche des agglutinines irrégulières positives, c'est-à-dire le receveur est immunisé contre un antigène érythrocytaire, on fait la compatibilisation entre, en cas de besoin de transfusion, on fait la compatibilisation entre les globules rouges du donneur avec le sérum donc du receveur. Donc, cette compatibilisation est réalisée par test indirect en antiglobuline, c'est-à-dire on fait donc incubation des hématiens avec le sérum et après la révélation par l'antiglobuline polyvalente. Donc, en cas de réaction, c'est-à-dire l'absence d'agglutination, réaction négative, on dit que les globules sont compatibles. Et la présence d'une agglutination, c'est-à-dire il y a la présence sur les hématies du donneur d'antigène qui correspond à l'anticorps détecté lors d'une ARAE. Donc, on dit que l'épreuve est incompatible. J'espère que vous avez compris.
Je vais poser des questions. Je vais poser des questions.